Bonsoir. Yokobo, j'espère que tu vas bien. Comme tu le vois dans le titre, aujourd'hui, test de la Jackson JS32 Rode. Comme d'habitude, je vais d'abord parler de l'objet en lui-même, ensuite je ferai un petit test de son, et puis je finirai par un avis qui m'est personnel. Ça te va? Let's go. J'ai fait l'unboxing de cette guitare il y a déjà quelques semaines, donc si tu souhaites la consulter, je te donne tout simplement rendez-vous sur ma chaîne. Si vous le voulez bien, maintenant nous allons rentrer dans le vif du sujet et parler de cette guitare-là. Electronica. Donc c'est une guitare qui est vraiment pas mal pour son prix, elle fait un peu moins de 300€ et on part sur une bonne guitare. Déjà un look vraiment d'enfer, et puis moi ce qui m'a vraiment le plus choqué, c'est son poids. Elle est hyper légère, c'est pas le genre de guitare avec laquelle tu peux faire tes biceps. Et puis surtout, moi qui suis un habitué de type Les Paul, quand tu mets une sangle, ton dos te dit merci. Il te dit merci. Là, c'est le modèle gris satiné avec un Floyd Rose de chez Jackson, des humbuckers à fort niveau de sortie et très saturé, aussi de chez Jackson. Et puis, on a des mécaniques à bain d'huile maison, pareil. Pour ce qui est du bois, moi j'aime bien savoir, donc on a un manche en érable, une touche en palissandre, et puis le corps est en tilleul, ce qui explique en fait la légèreté de cette guitare. Donc maintenant on va tester tout ça dans une version au départ clean, et ensuite on ira plus vers des tendances un peu métal. Voilà, c'est parti. Je remarque à l'instant que le micro du haut a un petit peu moins de puissance. Voilà. Donc moi c'est une guitare que je te recommande sans hésiter, surtout pour son prix, parfaite pour les débutants et même ceux qui ont un niveau un peu supérieur, surtout pour ceux qui n'ont pas les moyens d'investir. Et je pense que si on la custom un peu, cette guitare, elle risque d'être vraiment, vraiment d'enfer. Donc dis-moi dans les commentaires qu'est-ce que tu penses de cette guitare. Et comme c'est la fin de cette vidéo, je t'invite à liker, partager, parce qu'il y en a qui le font et ça me fait trop plaisir. Ciao !